Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici à Buenos Aires. Nous sommes dimanche 23 juillet 2017. Et je suis devant le Musée National des Beaux-Arts, Museo Nazionale delle Belle Arti. Nous avons aujourd'hui l'exposition sur l'artiste local Louis Felipe Noé, né en 1933 à Buenos Aires, et qui a intégré le mouvement artistique en 1961, Nouvelle Figuration, composé de Romulo Macho, Jorge de la Vega et Ernesto Deira. Ils ont tous décédé, c'est le seul survivant. Il recevra une bourse du gouvernement français et il voyagera à Paris. Il exposera aussi là-bas. Il recevra une bourse de la Guggenheim de New York et voyagera en Amérique. Il exposera aussi là-bas. Mais je ne crois pas qu'il faisait beaucoup d'argent parce qu'en 69, il ouvrira un bar ici, le bar Barreau. En 76, lors du coup d'état militaire, il partira à Paris. Bon, il reviendra après. Et en 2009, il représentera l'Argentine dans la 53e édition biennale de Venise. Voilà, l'artiste, l'exposition d'aujourd'hui s'appelle Mirada Prospectiva, Forward Gaze, ça veut dire un coup d'œil dans son œuvre. Et bon, cet artiste m'a jamais vraiment convaincu, il ne me convainc pas encore. Certaines œuvres sont mieux inspirées, oui, effectivement. Mais en général, il manque d'une créativité, d'une symphonie artistique, d'une créativité pure, d'une... C'est pas vraiment ça, je suis pas convaincu, non. D'ailleurs, ces œuvres sont pas très chères. Au niveau international, c'est pas très cher. Et puis ici, il y en avait une à vendre à 1 200 $ à la dernière vente aux enchères. Voilà. On attend la prochaine exposition, c'est toujours un bon endroit à venir. Une belle journée. Bye bye, à bientôt.